très bien. Bonsoir à tous, vous nous entendez bien ? Bonsoir à tous, bonsoir mes amis, je suis très heureuse de partager ce moment encore une fois en votre compagnie. Et comme vous venez de le constater, je ne suis pas seule ce soir. Un de nos amis, Ossine Drissi, se joint à nous pour se présenter et pour nous faire part d'un de ses désirs et ambitions qui nous lie en ce moment, en cheminant sur les sentiers des sentiments les plus profonds qui relient les cœurs amoureux, celle de l'écriture bien sûr au fil de nos encres, mais surtout celle de la lecture, et pas n'importe laquelle, la lecture à haute voix. Mais je laisserai Ossine Drissi nous l'expliquer, puisque c'est un connaisseur et admirateur de cette pratique. Bonsoir Ossine Drissi. Bonsoir Lily, merci pour cette introduction et bonsoir à tous nos amis. Je suis vraiment ravi d'être là. Merci à Giancarlo aussi pour l'animation technique là, en arrière-boutique, car je sais qu'il est en plein réglage toujours dans ces moments fabuleux pour faire passer une bonne soirée tous ensemble. Oui, en effet, Lily, j'avais souhaité participer à cette soirée avec vous pour vous parler de cette passion que je sais que tu as aussi, de la lecture à voix haute. Cette pratique qui est un peu différente de la lecture silencieuse, même si elle en est une complémentaire. Mais je voulais vraiment, avant que l'on démarre cette soirée, si vous voulez bien, en préambule, en prémisse de cette soirée et qui sera aussi égrenée de quelques-unes de tes lectures, et je vous réserve aussi quelques surprises tout à fait en lien avec le thème de ce soir, qui est finalement l'oralité et le lien justement avec cet intérêt et cette passion à produire les sons à voix haute. Et je voulais vous parler de cette différence essentielle et vous dire aussi d'où je parle. Et avant, en introduction, je voulais vous lire l'introduction d'un livre d'une passionnée comme nous de lecture à voix haute qui s'appelle Blandine Clémaux et qui dit dans son introduction « Le lecteur entre sur la scène. Les derniers chuchotements s'éteignent dans la salle. Silence. Tous les regards des spectateurs convergent et découvrent cet être humain qui s'avance vers eux. Le lecteur est, dès son entrée, saisi au corps par le regard des spectateurs. Son allure, sa posture, sa démarche, ses vêtements, sa coiffure, son visage, son expression. En quelques secondes, le lecteur est littéralement scanné par le regard de chacun des spectateurs qui le regarde épinglé comme un papillon sur sa planchette. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément facile de lire à voix haute devant un public. Il y a cette espèce de mise à nu, comme l'acteur qui doit se présenter devant un public. Et moi, je voudrais vous parler de cette possibilité de dépasser cette peur pour faire de la lecture en public un véritable plaisir partagé. Ils s'installent, ils regardent, les spectateurs sont à leur tour saisis au corps par ce regard et cette pause de silence avant de démarrer la lecture. Car c'est à partir de ce silence que tout commence. Dans ce premier échange des regards, du silence qui l'accompagne, s'installe le lieu de la rencontre avec ceux qui nous écoutent, le creuset dans lequel va s'opérer cette alchimie de la lecture et de cette transmission. Une lecture partagée, une lecture publique, une lecture à voix haute, c'est un voyage qui est proposé à vos auditeurs. Il faut pour cela qu'il ait lui-même, avant de lire à voix haute, abondamment arpenté les routes et les sentiers du texte pour y acheminer comme s'il prenait par la main l'auditeur et lui en faire honneur du cadeau
de ces mots que nous offre l'auteur. En fait, je considère volontiers que la lecture à voix haute, c'est tout un art qui nécessite de la part du lecteur un entraînement comme un sportif, minutieux, dont je vais tenter là de vous donner les principaux bienfaits dans cette présentation d'introduction. Mais d'abord, j'aimerais vous dire, Lily et nos spectateurs, d'où je vous parle. J'ai 57 ans, je m'appelle donc Koussine Drissi, et je suis le fondateur en effet d'une association qui a pour objectif de promouvoir la lecture à voix haute et qui a pour titre 10 heures de beaux textes. Et en tant que père de famille de 6 enfants, j'ai d'abord commencé à lire des histoires à mes enfants. Et c'est comme ça que j'ai découvert le plaisir de la lecture à voix haute. Mais sans m'en rendre compte, je me souviens que j'avais du plaisir à lire. Et puis, mes enfants ont grandi. Et un jour, je me suis arrêté de lire des histoires. Mais aujourd'hui, je pense fondamentalement que c'est une erreur. Toute notre vie, nous devons continuer à lire des histoires à voix haute, mais même aux adultes. L'éternel enfant qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous aime et aspire à ce qu'on lui raconte des histoires. Des belles histoires, mais aussi parfois des histoires plus effrayantes, plus rocambolesques. Car même ces histoires effrayantes, elles sont là comme le rêve, une espèce de vertu salvatrice qui est là pour réguler nos états d'âme pendant la nuit ou pendant l'écoute de ces histoires. Et chacun sait que les contes et les histoires, la mythologie, tout ce qui fait le creuset de toutes les civilisations et l'histoire des peuples prend sa source aussi dans ces contes et dans ces histoires. Et nous avons tous besoin d'en écouter. Donc pour moi qui suis fondateur d'une association de promotion de la lecture à voix haute, dans ma région Hauts-de-France, près d'Amiens plus précisément, les 10 heures de beaux textes, la lecture à voix haute, à titre personnel, pour moi, ce fut un peu comme une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse entre la matière que sont les mots, que sont les textes littéraires, que sont les textes poétiques, les nouvelles, les romans, et un mariage avec le corps du lecteur au travers de sa voix, de sa sensibilité qui lui est propre. Celle-ci mettant en jeu tous les ressorts de nos âmes. Quand on lit un texte à voix haute, c'est ça qu'il faut aussi essayer de rechercher, pour tenter de dire le mieux possible le texte au plus près de ce qu'a voulu dire ou exprimer l'auteur. C'est pour ça qu'il faut arpenter le texte de l'auteur pour être au plus près. Car la différence du théâtre, je pense on est toujours dans l'art oratoire, mais la différence avec le théâtre, c'est que l'acteur met en scène aussi tout son corps et la dynamique de son corps sur scène. Alors que le lecteur à voix haute, ce qu'il doit mettre en scène, c'est le texte de l'auteur. Il doit incarner par sa lecture ce que l'auteur a voulu exprimer. Et c'est tout aussi difficile. C'est tout aussi difficile. C'est un art très proche de celui du théâtre, mais qui est différent. Et pour que cette rencontre soit heureuse, cette rencontre d'amour entre les textes, les mots, la voix de celui qu'il va lire, il faut en quelque sorte aussi une forme d'harmonie entre les deux. Et quand cette harmonie est présente, cet amour des mots et du partage des mots finit par se transmettre comme de cœur à cœur et va faire naître chez celui qui écoute une espèce de production immédiate de l'imaginaire. Et c'est là toute la magie de la lecture à voix haute. C'est cette alchimie du verbe en acte, en action, qui va conduire chez l'auditeur cette production d'une pluie d'imaginaire qui va lui tomber dessus. En effet, quand on lit de façon classique, silencieuse, mm-hmm. on ne prend à personne et on garde pour soi, comme les premières lectures qu'on a pu faire sous la couette ou des livres un peu interdits. On lit simplement pour soi. Voilà la lecture silencieuse. Mais on ne prend à personne. On s'imprègne des mots et des idées de l'auteur, mais on ne prend rien en fait. Par contre, quand on lit à voix haute, on ne prend toujours rien à personne, mais en plus, on donne. On donne à tous ceux qui écoutent en cadeau les mots de l'auteur, qu'on essaye de transcrire par notre voix
de la meilleure des manières possibles. Et on donne en plus que l'on donne, parce que on va évidemment donner du plaisir à écouter une histoire, un poème, un beau texte, un conte, un extrait de roman, mais on va aussi donner envie de lire à celui qui écoute. Et c'est cette pluie d'imaginaire que j'évoquais tout à l'heure qui va tomber sur lui. Et c'est certainement là l'un des plus grands bienfaits de la lecture à voix haute, me semble-t-il. C'est en général de la lecture, mais c'est de nous ouvrir ces portes et les fenêtres de l'imaginaire. Et en fait, pour conclure sur ce bienfait, je dirais que lire, c'est un peu comme arroser des fleurs. Sauf que les fleurs, ce sont les fleurs de l'imaginaire. Et quand on lit à voix haute, en fait, on va aussi arroser le jardin du voisin. Et on va faire pousser les fleurs de son imagination. Même si elle ou lui n'aime pas lire. Ou même si elle ou lui ne sait pas lire. Ou même si elle ou lui ne peut pas lire, soit parce qu'il est trop âgé, soit qu'il est aveugle, ou tout simplement parce qu'il n'a pas accès aux livres pour diverses raisons. Aujourd'hui, la lecture à voix haute est encore souvent réservée aux enfants ou aux performances théâtrales. Voilà, les médiathèques, les bibliothèques, l'éducation nationale. On peut aussi de plus en plus la trouver au printemps, dans les jardins publics, dans les salles parfois. On connaît les extraordinaires performances de notre national Fabrice Lucchini, qui fait des scènes combles simplement à partir de lectures à voix haute, ça veut dire quelque chose. Qu'on peut trouver aussi sous forme de concours de lecture. Il y a des concours de lecture qui commencent à bien fonctionner en France. Il y a les champions de la lecture qui se terminent à la Comédie Française. Et puis assez récemment, l'émission de télévision La Grande Librairie, qui a aussi organisé un concours de lecture pour tous les élèves. Et je trouve que c'est une initiative formidable. On peut aussi la trouver, la lecture à voix haute, sous forme d'enregistrement, de CD, d'audiolivre, de lecture à voix haute. Et en conclusion, en fait, la lecture à voix haute, c'est un véritable cadeau. C'est une offrande que l'on fait aux autres et c'est un partage de textes. Donc, je le disais, la lecture, c'est quelque chose de très proche du théâtre, mais il y a quand même cette différence où on doit réellement s'imprégner du texte de l'auteur. Et on est dans le domaine de l'oralité, comme ce grand homme, et on en parlera tout à l'heure, que fut Amadou Umpateba, cet Africain, le chantre de l'accouchement de la parole sur le papier, c'est-à-dire qu'il a récupéré tous les contes initiatiques pendant une trentaine d'années de tout ce qu'il avait pu entendre comme histoire, on va en parler tout à l'heure, et je trouve qu'il y a quelque chose de très proche, il a remis au goût du jour, à l'époque où il a écrit ses livres, l'oralité, en considérant que chacun sait que l'Afrique, c'est un pays avec une histoire et un patrimoine lié à l'oral très important, même en Algérie, puisque je sais que Lily et moi-même, nous sommes tous les deux de ces pays, qui a aussi toute une histoire sur l'oralité, et il trouvait dommage que tous ces contes ne soient pas retranscrits dans des livres, que l'on puisse préserver ce patrimoine des contes et des histoires qui sont transmis de génération en génération. Et j'ai un slogan à 10 heures de beaux textes, c'est « Lire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien ». Et c'est notre slogan. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur la lecture à voix haute. En tout cas, je te remercie aussi Ndrissi pour cette merveilleuse introduction et explication en fait de la lecture à haute voix, hein, des bénéfices de cette lecture et de l'avantage de cette lecture à haute voix. Effectivement, de nos jours, avec ce que l'on vit, avec et du côté technologique, hein, où les enfants, on parle de nos enfants, on en a tous, hein, ou ceux des voisins, de la famille, hein, ils sont tous un petit peu connectés avec les écrans, hein. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire pour les motiver à se détacher de ces écrans? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tout ce que l'on vit autour du virus qui nous sépare, hein, quelque part? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous relier humainement? Je pense que tu as
très bien décrit l'intérêt en fait de l'humain, l'intérêt des valeurs humaines que l'on devrait raccorder aujourd'hui, qu'on devrait faire renaître, comme tu l'as dit, et par quoi? Par justement cette évasion, par ces voyages que tu viens de décrire, par cet imaginaire que l'on devrait créer avec la solitude. J'en ai souvent parlé. Laisser son enfant seul quelques petits instants, même nous en tant qu'adultes, rester un petit instant seul ne peut faire que créer notre voilà, enfin tout ce qu'on, notre imaginaire, voilà. Donc c'est important que l'on s'évade un petit peu pour se connaître soi-même et pour créer des liens. Moi-même, j'ai travaillé avec des enfants à une époque, j'en ai aussi. J'ai toujours souhaité avoir cette imagination d'une grand-mère, d'un grand-père qui nous met sur un petit coin d'une petite chambre où les enfants se mettent tout autour, où les anciens, comme on dit, nous racontaient des histoires et qui créaient non seulement des liens, mais aussi évadaient ces enfants, les faisaient rêver, les faisaient voyager à travers de l'imagination, à travers du réel, à travers un vécu aussi. Ils pouvaient raconter aussi leurs histoires à travers ces petits contes. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Moi, je suis contente, je suis heureuse de faire cette petite soirée comme ça, hein, spontanée encore. Je pense que je vais devenir une adepte des soirées spontanées, mais ça ne me dérange pas puisque on n'a rien à cacher, on n'a rien à présenter. On parle avec nos sentiments, on parle avec nos cœurs. Et ce qu'on voudrait justement, c'est de se lier pour un meilleur, pour une vie meilleure, pour un monde meilleur et pour un lien meilleur, pour une meilleure éducation aussi. C'est important de le dire. Aujourd'hui, nous devons changer notre manière de faire les choses. Je ne parle pas en jugement, mais en connaissance de cause, en tout ce que je vois autour de moi. Voilà. Créons ces liens. Voilà. Donc, commencer par une petite lecture de poésie et je suis ravie et très impatiente de découvrir cet auteur que tu vas nous présenter tout à l'heure, Houssine. Avec plaisir. Et voilà, donc je commence. Le conte de l'amour. Au clair de la lune. Le conte de l'amour. Je partage ma nuit entre nous pour toujours. Sans fatigue, sans sommeil, me nourrir de ta force. Sous un ciel de merveille, sans épreuve précoce. Je me laisse emporter dans cet élan de pureté, récitant tous les mots où chaque nature est née. Ma foi est tenace, sous la force de tes traces, et la lune me sourit, s'inclinant à ta grâce. Cette nuit est sagesse, éblouie de ta lumière, ivre de ce silence, le mal rebrousse en arrière. Je te sens, mon amour, frôlant l'union en folie, pliée à cette âme qui déambule sous l'art de la poésie et l'odeur de la rose dans ce jardin de semences ravive tout esprit perdu au fond des croyances de ces pétales épanouis qui me marquent à la peau d'un cœur à l'abandon par le chant de l'oiseau. Je m'envole loin de là dans le ciel pour y voir plus clair. J'entends les cris des mendiants, pleurant leur misère. À chaque coin de rue, les cris de colère. Leur voix se résonne à chaque souffle de prière. Loin de là, je m'engage à rester près de toi. Désir de liberté, de grand air et de joie. Mon voyage
avec toi est une histoire sans fin. Mon âme s'abandonne pour reprendre le chemin. Avec toi, mon amour, toi qui es tout amour, quand aimer n'est plus tabou, et t'avoir pour toujours, en vivant cet instant où la douleur s'achève. Sans toi, qui serais-je? Que ferais-je de mes rêves? Les mots sont franchis, de toi est mon remède. J'ai brisé les anneaux, aux envieux je concède, pour engendrer mon essence de troubles agacés, et être ta reine, ce soir, par tes lois sacrées. Peu importe que l'on dise, ma liberté le permet, t'implorant à ma guise, mes louanges et mes secrets, en t'offrant toutes mes larmes que nul ne peut arrêter. Aime-moi ce soir, cette nuit n'est que beauté. Waouh! Eh bien, écoutez, après un poème comme celui-là, moi je ne peux que dire je vous aime et continuez à nous lire de si beaux textes, c'est magnifique. Merci beaucoup. Dans un petit nuage. Merci beaucoup. Donc, je te laisse aussi, Drissi, nous faire découvrir cet auteur hein, africain. À toi, Lionel. Eh bien, avant de vous parler de l'auteur africain, ce petit nuage dans lequel tu nous as emmené me fait virevolter un peu comme le papillon qui a envie de reprendre un peu cet envol et cet envolé. Et j'ai un texte sous la main qui s'appelle « La pauvre fleur » qui disait au papillon céleste. La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents. Je reste. Tu t'en vas? Pourtant, nous nous aimons. Nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Et nous nous ressemblons. Et l'on dit que nous sommes fleurs, tous deux. Mais hélas, l'air t'emporte et la terre m'enchaîne. Sors cruel, je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin. Parmi des fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi, je reste seul, avoir tourné mon ombre à mes pieds. Tu fuis, tu reviens. Puis tu t'en vas encore luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore tout en fleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô ma reine, prends comme moi racine, ou alors donne-moi des ailes, comme à toi. Rose et papillon, la tombe nous rassemble tôt ou tard. Pourquoi l'attendre, dis ? Veux-tu pas vivre ensemble quelque part ? Quelque part dans les airs, si c'est là que se berce ton essor. Au champ, si c'est au champ que ton calice verse ton trésor. Où tu voudras, qu'importe. Oui, que tu sois haleine ou couleur, papillon rayonnant, corolle à demi pleine, aile ou fleur. Vivre ensemble d'abord. C'est le bien nécessaire et réel. Après, on peut choisir, au hasard, ou la terre, ou le ciel. Bravo. Merci beaucoup pour cette jolie lecture, Ossine Drissi. Je te laisse continuer. Hein. Ben, j'avais envie de dire que la lecture à voix haute, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette période actuelle de Covid, de chahutement en France, de contexte d'élection, et puis tout ce qu'on a vécu cet été, tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Oui. La lecture en général, en effet, est une véritable porte pour s'évader de ce réel pesant, réellement pesant. Et la lecture et la poésie nous permet justement de s'envoler un peu au-dessus de tout cela, parce que nous avons besoin aussi de notre équilibre, nos équilibres et de notre stabilité. Et je pense que la lecture aussi, à voix haute, elle oblige en fait à prendre le temps.
Quand on voit le décompte macabre qui se fait depuis maintenant 2 ans, avec ce défilement d'informations permanentes, où nous sommes constamment noyés de toutes ces multiples expertises diverses et variées, et des premiers vaccins, des choses qui ne se terminent jamais. Et je pense que la lecture et la poésie nous obligent quelque part à faire une halte. Une halte qui est bénéfique, une halte qui nous ressource, une pause qui nous permet de prendre une respiration profonde avec le texte, avec le langage de nos grands poètes et de nos grands auteurs, et qui nous permet justement de reprendre pied dans ce monde instable et parfois terrifiant. Voilà ce que je voulais dire pour compléter. Et je vais donc vous parler d'un auteur donc, que j'ai découvert que très récemment. C'est un ami ivoirien qui m'a parlé d'Oumpa Teba et qui m'a dit « Tu ne connais pas Oumpa Teba ?» Ben, je lui ai dit « Si, ça me dit quelque chose, Oumpa Teba. » Mais où est-ce que j'ai vu ça? Oui, je savais qu'il écrivait des contes. Et puis, pendant 2, 3 jours, j'ai été regarder sur Internet et découvrir qui était ce personnage. Et j'y ai trouvé un lien direct, en fait, avec l'oralité, avec la parole et finalement avec ma passion de cet objectif de promouvoir la lecture à voix haute. Et j'ai trouvé dans pas mal de ses écrits des points communs sur l'importance de faire résonner les mots et de transmettre les connaissances et de transmettre les beaux textes par l'oral. Parce que ce que disait très justement Oumpa Teba, ce bonhomme qui est né en 1900, donc il était prédestiné en fait, il est né au début de ce XXe siècle, il est mort en 1991, il a eu une vie extraordinaire, où il est devenu très vite un personnage de premier plan, alors qu'on sortait tout juste on sortait tout juste de cette vaste opération de décolonisation, et qui a quand même créé beaucoup de tremblements dans beaucoup de pays, que ce soit en Algérie ou dans toute l'Afrique et au Moyen-Orient. Et il a vécu donc dans cette période-là, et là on peut dire une double culture, c'est-à-dire qu'il a d'abord été élevé dans la culture de ses ancêtres, puisqu'il est issu des Peuls, donc la tradition Peul qui remonte à les Peuls sont dans plusieurs pays, pas seulement en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, etc. Et en effet, les enfants, et on leur enseignait en fait de façon globale, c'est-à-dire qu'ils apprenaient toutes les matières, que ce soit l'astronomie, la manière de bien se comporter en société, les mathématiques, etc., avec le sage du village qui leur renseignait en leur racontant des histoires. Et en fait, ils apprenaient tout avec l'oralité. Il n'y avait pas forcément d'écrit. Et ça a conduit au fait que tous les enfants de cette génération, comme Oumpa Teba, avaient une mémoire extraordinaire. Parce qu'à écouter des histoires, du coup, ils étaient habitués à l'attention, à l'observation autour d'eux, puisque la plupart des contes ou des histoires font référence à un environnement naturel, aux animaux, à leur contexte, hein, et c'est comme ça qu'ils apprenaient. C'est-à-dire que la science et la connaissance étaient transmises via l'oralité. Et je trouvais dans ce destin qu'a eu cet homme-là, je ne l'ai pas rencontré par hasard. Et ces contes sont de fameux contes initiatiques, en fait, qui aidaient aussi aux enfants, aux jeunes adultes, ensuite, à mûrir dans leur vie, et ces contes les accompagnaient toute leur vie. Et il a passé, donc, dans ses multiples activités, il a fait l'école traditionnelle, il a appris l'arabe, il était polyglotte, il parlait anglais, il parlait français, et il est allé à l'école coloniale, à l'époque, qui était sur une île près de la Côte d'Ivoire et qui était l'école des colons qui formait au cadre administratif à cette époque. Et donc, il a passé un concours et il a étudié donc dans cette école et il en est sorti comme diplomate en fait. Et il a eu des fonctions à l'UNESCO où il a tenu de fameux discours pour promouvoir la protection, mais surtout de stocker toutes ces histoires sous la forme d'écrits et qu'il y ait une volonté mondiale de mettre et de coucher sur le papier
toute cette tradition orale qui est un véritable trésor. Et donc, pendant les 20 ans où il a été et qu'il avait ce poste d'administratif, dans tous les villages où il circulait dans le cadre de son activité, il avait toujours un petit carnet où il notait en détail, il allait voir les anciens du village, et il notait toutes ces histoires avec tous les détails, et c'est extraordinaire. Ben, je vais commencer par ça, ça va vous rappeler notre enfance. Je vais juste lire quelques pages, j'en ai plusieurs. Donc là, c'est le Petit Baudiel. C'est le Petit Baudiel, c'est le livre que m'a conseillé donc, l'ami ivoirien. C'est celui-là, pardon. Là, je vous ai montré les contes initiatiques Peul. Et ça commence par ça. Le Petit Baudiel, en fait, Baudiel, c'est en Peul, c'est le nom du lièvre. Et le lièvre en Afrique, c'est un peu l'équivalent du renard dans les fables de La Fontaine. Donc, c'est l'animal rusé. Et ça commence comme ça. Je vais vous lire juste un petit extrait et vous aurez tout de suite une idée de l'ambiance de ce type de conte qu'il raconte. Petit Baudiel, conte Peul. Il y a très longtemps, dans le Sano, pays des baobabs géants aux troncs et branches cuivrées, vivait une famille de lièvres appelée famille Baudiel. Papa et maman Baudiel étaient de braves travailleurs. Ils peinaient sans relâche et sans murmure du matin au soir. Chaque fin de journée, les voyait revenir chargés de vivres variés, du pain de singe, des fruits de rognier, des jujubes jaunes, des fruits bien mûrs de la savane, autant de bonnes choses pour la subsistance de la famille. Quant à Petit Baudiel, il était hélas le modèle des mauvais petits. Jamais il ne voulut rien faire, sinon l'imbécile, dormir et redormir. Il ne sortait de sa couche qu'au moment où le soleil montait au zénith et lui plongeait dans le ventre les flèches aiguës de ses rayons ardents. Et quand il se levait ainsi malgré lui, c'était pour aller, en guise de bonjour, demander à sa mère de quoi garnir son estomac solide et, malencontreusement, toujours vide. Petit Baudiel n'était pas aussi sot qu'il était paresseux. C'est pourquoi cette andouillette s'arrangeait chaque fois pour ne pas se rendre chez sa mère quand son père y était. Papa Baudiel, en effet, n'était ni commode ni complaisant. Il avait pour son fils toujours occupé à des riens, plus de clistères, de coups de pied que d'affectueuses tapes paternelles. Petit Baudiel n'était pas simplement un cul de plomb, quelqu'un qui ne fait jamais rien. En plus, il était dégoûtant et faisait constamment pipi dans sa couche. Mais, comme toutes les mamans de la terre, maman Baudiel écoutait la voix profonde de ses entrailles et fermait les yeux sur les défauts de son fils gourmand et goinfre. Elle cherchait, entre terre et ciel, des excuses pour sa ventrée borienne. Elle l'excusait de pisser dans sa couche et de ne jamais rien faire, sinon, de temps en temps, aller se tapir dans les touffes de vétiver cachette d'où il pouvait contempler les jouvencelles qui, toutes nues, s'abandonnaient aux joies de la baignade. Tous les êtres ont un sort commun, celui de finir par mourir, et souvent sans y être préparé. Ce qui doit arriver à tout être allait arriver à Papa Baudiel, règle sans exception. Une nuit, très fatigué, il se coucha, son âme s'était échappée de son corps durant son sommeil pour converser avec la nuit. Elle fut enlevée par cette belle et mystérieuse femme drapée d'un manteau noir serti d'étoiles. Au matin, l'aurore jaillit des ombres. Mais le visage de Papa Baudiel resta sombre. Ce père, grand travailleur, était mort. Paix à son âme laborieuse et honnête, il laissait une veuve sans ressources qui vaille et un fils qui n'était savant qu'en anatomie de jeune fille. La tradition était parfois injuste. Elle s'en prend à la maman d'un vaurien et non au vaurien lui-même. C'était ainsi que la maman de Petit Baudiel devint la risée de son village. Dundi Bani Kono la tantale, cousin germain de Bani Kono la cigogne, revêtit ses beaux boubous blancs et noirs. En quelques grandes enjambées, facilitées par ses longues échasses, il se rendit chez maman Baudiel. « Je viens, lui dit-il, te conseiller de sévir contre ton fils. Il y va de ta réputation. S'il ne se corrige pas,
tu auras, par sa faute, des surprises désagréables avec tes voisins. Sache, ma mère chérie, qu'un parent qui laisse son enfant dans le dos devenir une hache risque tôt ou tard de voir celle-ci lui tomber sur les talons et lui couper les tendons. Maman Baudiel n'appréciait nullement la mise en garde de Tantale. La mère n'est-elle pas toujours la première à découvrir les défauts de son enfant et la dernière à les publier ? De quoi se mêle Tantale ? Susurra le cœur de maman Baudiel à son oreille maternelle. Il faut que tante araignée de la mélancolie l'ait piqué cette nuit pour qu'il s'agite si violemment à propos d'un cas qui ne regarde que ton fils et toi. Cependant, la voix de la raison pure intervient et murmura doucement à l'intelligence objective de maman Baudiel. Par le roi du ciel, par la reine des terres, par le prince des océans. Maman Baudiel, fais taire tes sentiments maternels et prête oreille au conseil désintéressé d'un ami avisé et direct. Quand bien même remplirais-tu les plus grands silos et les greniers pour ton enfant vaurien, s'il ne change pas son état d'âme, il n'en vaudra pas davantage. Maman Baudiel réfléchit longuement. Et elle se dit, une voix étrangère pourrait me tromper, mais celle qui vient de mon tréfonds ne saurait le faire. Je dois, je veux, il faut que je fasse taire mon cœur de mère et ferme mes oreilles maternelles. Joignant pensée, parole et action, maman Baudiel se précipita dans la chambrée de son fils. Elle se saisit du dormeur invertéré. Par l'une de ses pattes postérieures, elle le traîna jusqu'au pied du baobab sacré, à la manière dont les fils d'Adam traînent les cadavres d'animaux en état de putréfaction avancée. Là, maman Baudiel s'assit sur son arrière-train. Elle demanda impérativement à son fils d'en faire tout autant. Alors, face à face, les yeux maternels plongeant dans les yeux filiaux. Maman Baudiel dit « Petit Baudiel, tu n'es plus un bébé. Dans 3 lunes, tu vas atteindre ta majorité. Tu seras désormais responsable de toi, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. » Quand Guénaud l'Éternel te jeta dans l'océan de mon ventre par l'entremise du lance-pierre de ton père, je tressaillis de joie. Quand sans danger, les eaux de mon bassin s'écartèrent pour te mettre au monde, j'exultai de plaisir et te voyant grandir, mes espoirs s'élevèrent plus haut que le chaume des bambous géants. Je pensais que tu serais un roi de la brousse, que tu disputerais le commandement de la savane aux couples habillés de couleur fauve. Je pensais que la touffe de ta queue aurait raison de la crinière du despote à la grosse tête. Grand frère lion, Corodiara, qui ravage les troupeaux de zèbres, casse le cou des antilopes et s'abreuve du sang de la girafe, dont il confond le long col avec son aiguillère. Mais non, voilà que tu ne fais et sembles ne vouloir faire toute ta vie que bâiller, dormir, te réveiller, manger, digérer, pisser et péter. Tu sues et produis de tels bruits avec une telle incontinence que donzelle n'y a là l'aigrette. Bien que fille de « Soyons charitables » m'a lancé l'autre jour cette apostrophe. Hé, maman Baudiel, ton fils n'a-t-il d'autre orifice que son anus ? Après m'avoir ainsi insulté à travers toi, elle s'en est allée, laissant flotter au vent les plus minces de ses duvets pour mieux se moquer de moi. Ton père est mort. Ce qu'il avait de plus gros sur le cœur, c'était d'avoir mis au monde un vaurien qui ne vaut et ne va rien valoir. Gérard, le petit facochère, est de ton âge, mais il sait déjà se servir de son groin et il déterre à longueur de journée de quoi se nourrir.
Jaraden, le petit lionceau, est de ta classe. Il fait de véritables prouesses. Sa mère en est heureuse et son âme est en liesse. Davangel Badi, le petit singe, cynocéphale, aboie à se faire passer pour un chien de roi. Il sait cueillir des fruits mûrs. Quant à toi, rien de rien. Si tu ne changes pas, et je désespère que tu puisses changer un jour, je te maudirai face au soleil levant et face au soleil couchant. Je te renierai un jour de pleine lune. Ça a été pour moi une source d'inquiétude quotidienne. Cela ne saurait durer davantage. J'ai décidé de me séparer de toi, comme on se sépare d'un tesson de canari brisé. Tu iras vivre où tu voudras et comme tu voudras. Mais tu m'empuantiras plus ma demeure. Petit Baudiel, contrit, on ne peut plus, demanda à sa mère un délai de quelques lunes pour se corriger. Maman, je ne t'ai jamais dit que je me suis ménagé l'utile amitié de Yendu, le vieux fourmilier Oryctérop. Je lui ai régulièrement procuré des fourmis. C'est le seul travail que j'accomplis de mes mains. Je m'en vais demander à ce sorcier, mon vieil ami, de m'aider à me corriger. Petit Baudiel ramassa beaucoup de fourmis. Il alla les donner au vieil Oryctérop et lui conta ce dont il était menacé par sa mère. Quand l'Oryctérop eut fini d'avaler les fourmis, il dit « Cette pitance délicieuse vaut bien un taillissement porte-bonheur. Je m'en vais, mon petit ami, te tirer l'épine du pied. Je vais te munir d'un gris-gris merveilleux. Sèche tes larmes. Fais-moi confiance. D'ici à quelques semaines, ta mère sera satisfaite de toi. Guéno t'a donné une taille minuscule. Il faut, pour compenser, qu'il te rende plus malin. Je n'irai pas jusqu'à te donner le conseil d'être malhonnête, non. Mais puisque tu es faible, tu dois être astucieux. Jusqu'ici, petit Baudiel, à part le ramasseur de fourmis que tu as été pour moi, tu ne fus guère héros qu'à regarder croupes fermes et seins arrondis des baigneuses. Il faut de la femme, certes, mais non au point que ton sexe prenne constamment la place de ton cerveau. Sinon, le feu de l'amour, débridé, dévorera le chaume de ta respectabilité et tu risques d'être soit humilié, soit malheureux. Andiyari le sage a dit « Pour l'homme, la femme est un puits sans fond. Pour la femme, l'homme est un fût qui se perd dans la nue. Jamais ils ne peuvent parvenir à la limite l'un de l'autre. Ils sont tels deux énigmes qui se regardent, se parlent et se complètent, sans cesser de se contester. Ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre, mais ils ne peuvent vivre ensemble sans heurts ni éclats. Avec la femme, rien ne marche, mais sans la femme, tout serait foutu. Merci. Voilà pour ce petit extrait de ce sympathique petit livre que je vous conseille, un petit Baudiel. Vous pouvez très facilement. D'où Patéba, puis il y en a plein d'autres. Ensuite, il y a les contes initiatiques, et puis plein d'autres. Celui-là aussi, il raconte son histoire. Donc, c'est Amkoulel, l'enfant Peul. Donc là, on découvre vraiment toute son histoire et tout son parcours dans ce livre-là. Voilà, en tout cas pour moi, ce fut un réel plaisir de partager avec vous ce conte africain. Oui, effectivement, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ces petits moments, ces petits instants. Là, je m'adresse vraiment aux mamans.
La plupart du temps, on essaye, on l'a tous fait à des moments ou à d'autres, parce qu'on est occupé, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on essaye de... Prenez le temps. Le temps est très important. J'essaierai d'ailleurs de faire un petit live spécialement pour cela, parce que je trouve que on ne fait pas attention au temps qui passe. On est très distrait par des petites choses hein, autour de nous et on se rend pas compte en fait que le temps passe vite effectivement, mais il est très précieux. Donc, je lance un appel aux mamans avant tout parce que les mamans, c'est la plupart du temps, les papas aussi, parce qu'il y a beaucoup de papas aussi qui sont très présents avec leurs enfants et qui font beaucoup d'activités. Mais je parle souvent, on dit c'est les mamans qui accompagnent les enfants pour le soir pour dormir, en tout cas les parents, de prendre un petit instant et de faire une petite lecture à haute voix. À haute voix, pourquoi ? Parce qu'elle a tous ses avantages. Je vais en citer quelques-uns pour un petit peu comprendre et affiner un petit peu ce que j'ai l'intention de dire. La lecture à haute voix, elle permet de renforcer les liens affectifs car elle devient une activité commune et agréable avant tout. C'est une activité qui favorise la prononciation hein, et permet aux enfants d'enrichir leur vocabulaire. Comme tu viens de le faire maintenant, c'est important de se repérer et d'enregistrer en fait tous les mots. On peut les lire, effectivement, mais le fait de les dire et de les entendre, on les enregistre vraiment d'une autre manière et ils s'enregistrent plus facilement. La lecture à haute voix permet de mieux mémoriser et de mieux apprendre. C'est ce que je viens de dire. Elle aide les enfants à s'exprimer correctement. Car écouter les expressions, comme tu viens de le faire, cher ami Ossine, les structures grammaticales et les syntaxes sont bons pour avoir une bonne élocution. Ça, c'est important. Parce qu'on a souvent tendance, aujourd'hui, avec tous les mots un peu coupés, cassés, les SMS qui s'écrivent, en fait, voilà, on casse cette langue et on casse vraiment le français ou toute autre langue, d'ailleurs. La lecture à haute voix exerce l'imagination et la créativité. Voilà, là, on est rentré dans un décor, dans une histoire, dans un autre monde. On a visualisé un petit peu le scénario de l'histoire et il faut encourager ce processus en jouant avec les intonations, comme tu viens de le faire, parce que l'intonation aussi est importante de dire « Ah !» Enfin, le moindre chose, en fait, se prononce et voilà, on plonge la personne ou l'enfant dans une sorte de réalité, finalement. Voilà. Et en gardant aussi certaines pauses stratégiques, hein, comme tu viens de le faire. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, la lecture à haute voix est excellente pour encourager la lecture. Ça, c'est important. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. Voir les enfants quand ils voient les adultes lire, ça leur donne de l'amour. Voilà, à la lecture pour les enfants. Ils ont envie de les imiter parce que les enfants, voilà, ils imitent leurs parents. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ils interprètent, ils représentent un petit peu et ils essaient de retransmettre en fait ce qu'ils voient autour d'eux. Voilà. Il n'y a pas de meilleure méthode en effet que par l'action. Exactement. De faire une injonction un peu lit, c'est bien de dire à ses enfants de lire, mais il faut aussi lire pour leur donner l'exemple que c'est utile et important de lire. Exactement. C'est aussi le moyen de s'identifier et de aussi rentrer en fait dans ces personnages. C'est une façon aussi de développer l'attention et la concentration. Voilà, là on vient d'écouter une histoire, on a pris un temps, on a tout oublié, voilà, on n'est pas sur nos écrans, on n'est pas sur du virtuel, on est sur quelque chose
qui, voilà, c'est un voyage, c'est une histoire, voilà, et on est vraiment dedans, donc on est concentré, voilà, lorsqu'on entend l'histoire, on ne réalise pas que cette concentration, est, en fait, c'est un apprentissage, et qui se fait de manière pas tendue, comme on l'imagine ou on pense, mais vraiment d'une manière très détendue. Voilà. La lecture à haute voix, qu'est-ce qu'elle fournit ? Elle fournit des connaissances, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que tu gardes pour toi en lecture silencieuse, la lecture à haute voix, en fait, tu l'offres. C'est comme la connaissance. Ce n'est pas un toucher matériel. On ne met pas 1 euro plus 1 euro est égal à 2 euros. Non. Là, c'est une connaissance qui se transmet partout, qui se transmet partout et qui se transmet comme l'auteur Amadou Mpateba, hein, et d'autres auteurs aussi dont on découvrira aussi par la suite, hein, de génération en génération. Et je trouve cela vraiment magnifique. Donc, c'est une... Pour abonder dans ton sens, si tu le permets, sur cette... tout à fait en phase avec tout ce que tu dis, tout à fait entièrement d'accord. En effet, ça permet, ça améliore la mémoire. En effet, ça améliore l'élocution et en même temps l'apprentissage de structures grammaticales particulières. Parce que, je ne sais plus qui lisait les écrivains, lorsque vous lisez un roman ou un texte d'un poète, la langue qu'ils utilisent dans leur propre poème, dans leur roman, c'est une langue à l'intérieur d'une langue. C'est-à-dire que si vous lisez par exemple du Victor Hugo ou si vous lisez un auteur particulier, il a son style. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la langue française par exemple, dans leur style, ils vont créer leur propre style et finalement leur propre langue. Et donc il faut essayer de rentrer dans cet univers et dans cette propre langue. Et c'est ce que disait Marcel Proust. Il disait en fait à propos des écrivains, un bon livre ou un bon écrivain, c'est quand en fait on perçoit qu'il a écrit dans sa propre langue le texte qu'il a pondu. Ensuite, sur la question de l'imaginaire et le lien que tu as fait aussi sur ce constat, malheureusement, c'est un constat, c'est-à-dire le constat de nos enfants, mais pas seulement nos enfants, puisqu'il y a aussi des enfants trentenaires et puis des enfants quinca qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Internet. Et aujourd'hui, il commence, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul, en effet, sur les effets de cette vague des écrans, que ce soit au travail, dans le cadre de nos loisirs, dans le cadre de la famille. Et j'invite chacun, on a peut-être tout ça, mais tout le monde ne l'installe pas, d'avoir ces petites applications qui permettent de voir sur votre téléphone, finalement, combien de temps vous avez passé sur cet écran-là, parce qu'il se peut que vous passiez aussi un peu de temps à la télévision et ailleurs. Ce que je voulais dire tout simplement dans ce propos, c'est que nous n'avons pas encore assez de recul, mais les effets sont déjà visibles. Il suffit simplement de voir dans nos familles, simplement de voir nos enfants, mais même dans nos propres comportements, à chacun d'entre nous, parfois, comment nous pouvons être dispersés lorsque nous entamons une tâche et que nous passons à autre chose parce que, hop, il y a un petit SMS, parce que, hop, il y a... Cette misère de l'attention qui, aujourd'hui, l'attention, autrefois, s'il fallait faire la moyenne dans l'ensemble de la population, on avait, je ne sais pas quelle est la valeur aujourd'hui, mais elle a été réduite énormément. Nous avons de plus en plus de mal, notre cerveau a de plus en plus de mal à se concentrer le plus longtemps possible. Et on le voit déjà chez les jeunes enfants, mais il y a des études qui montrent aussi qu'au niveau de l'université, les universitaires aussi, pendant les cours, en fait, ils ont de moins en moins de temps d'attention. Et pourtant, c'est quand on est dans l'attention que l'on s'imprègne des connaissances qui sont transmises par l'enseignant ou autre. Et ça, c'est un réel problème pour l'avenir. Et je suis aujourd'hui, moi, convaincu. C'est pour ça que chacun, comme le petit colibri de notre ami Pierre Rabhi, décédé après très longtemps, oui, il disait que chacun doit prendre sa part. Je pense que sur ce sujet, chacun, chez soi, on doit prendre sa part. À donner l'exemple que lire, ça nous permet aussi de freiner cette grande vague du tout numérique qui est partout, qui a envahi l'économie, qui a envahi nos vies. Je ne suis pas un anti-technologique, bien au contraire, exactement, parce que ça nous apporte plein de choses bénéfiques, que ce soit dans le milieu médical. Maintenant, on ne peut plus se passer quand on va dans une ville dans laquelle on n'est jamais allé. Heureusement qu'il y a les GPS, on perd moins de temps, etc. Enfin, bon, bref, de multiples services. Mais comme tout objet technologique
qui vient nous rendre service, qui fait partie de cette vague du progrès qui suit toute l'histoire industrieuse de l'homme, qui grâce à son génie a pu produire toute cette technique-là, toujours c'est prendre un peu cet équilibre entre les choses bénéfiques qu'apporte cet outil, mais attention aussi aux dérives et aux choses néfastes, le manque de sommeil. Nous avons plus, on voit aussi que le temps de sommeil a fortement diminué, parce que beaucoup de gens, au lieu de se relaxer, de mettre un peu de parfum dans leur chambre, de lire des textes sympathiques avant de dormir, eh bien, ils sont encore sur leurs écrans, les émissions, etc. Et ça, ça perturbe le sommeil. La lumière, petite lumière bleue que l'on trouve dans tous nos écrans, c'est bien connu, perturbe en fait le fonctionnement du cerveau, empêche le fonctionnement de la mélatonine qui permet justement d'avoir nos rythmes biologiques, de se lever à la bonne heure, etc. Ça perturbe tout ça. Et donc je suis convaincu que la lecture à voix haute et la littérature, la culture en général, est un rempart contre cette vague qui a tendance à nous inonder et pour laquelle nous avons parfois aussi du mal à combattre. Et donc c'est vraiment une mission. Je pense que chacun d'entre nous qui s'intéressons à la lecture à voix haute et à tous les arts oratoires et à tout ce qui nous rapproche des textes littéraires, poétiques, les contes, etc. Si on se rapproche de l'oralité, on va reconquérir, on va reprendre notre l'instinct naturel de l'homme qui est d'être ouvert au monde, avec ses yeux, avec sa sensibilité, avec ses oreilles, et non plus porté uniquement sur des écrans. D'ailleurs, moi je ne sais pas lire à l'écran. J'ai besoin d'avoir le papier, parce qu'à l'écran je suis très vite perdu, ou j'ai envie d'aller voir d'autres choses. Je préfère me concentrer sur un livre papier que sur un livre sur l'ordinateur. Voilà, c'était juste cette précision. Exactement, oui, effectivement. Et je termine là-dessus, et ça je pense que c'est le point le plus important, c'est la question de l'imaginaire. Donc nous avons parlé de cette rupture de l'attention, nous avons de plus en plus de mal à nous concentrer, mais surtout les portes de l'imaginaire. Lorsque vous offrez à un enfant de 4 ans des images toutes faites avec des dessins animés à longueur de journée, il ne fait plus travailler cette faculté extraordinaire, exactement, l'imaginaire. L'imaginaire qui est le creuset de toute forme de créativité et dans tous les domaines des activités de l'être humain. C'est quelque chose, c'est une faculté essentielle. Les rêves, par exemple, pendant le sommeil, chacun le sait, je disais tout à l'heure, ça permet aussi, mais beaucoup y ont travaillé, les psychologues et les grands psychanalystes. Moi, je suis très près aussi des textes de Carl Jung, qui était un peu l'élève un peu maudit de Freud, parce qu'il s'en est un peu séparé, parce qu'il a fait un peu une jonction entre l'importance en effet des rêves et de l'inconscient, mais l'importance aussi des rêves qui viennent comme élément salvateur pour notre propre équilibre. Et moins nous rêvons, c'est-à-dire moins nous libérons notre imaginaire, et moins l'être humain devient équilibré. Il devient un robot. Donc prenons notre temps, travaillons sur nous-mêmes contre les écrans et prêchons la bonne parole pour continuer à lire et lire à voix haute. Moi, j'ai une ambition. J'aimerais que dans toutes les villes, dans tous les clochers de France et de Navarre, qu'il y ait des lecteurs comme nous, qui lisent à voix haute, comme dans les siècles passés, sur les places, dans les kiosques, dans les marchés, et que partout, on entende résonner la poésie, les beaux textes, et toutes ces lectures qui nous libèrent, et qui nous redonnent notre humanité. Exactement, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que faire ce qu'on fait aujourd'hui, le pas qu'on fait aujourd'hui et que tu as déjà toujours fait, puisque tu es président d'une association de lecture à haute voix, hein, de 10 heures de beaux textes. D'ailleurs, voilà, la présentation aussi est bien pour permettre à nos amis aussi de découvrir aussi Nedrissi et un petit peu tout ce qu'il présente et ce qu'il a déjà fait auparavant. Moi, je pense, et je le dis toujours, c'est comme ça que l'on peut changer les choses. Il n'y a que cette manière-là, il n'y a que cela qui peut améliorer en fait l'existence de l'être humain, comme tu viens de le dire si bien. Laisser l'être humain pouvoir rêver, autant l'enfant, autant l'adulte. Il faut
que même les adultes prennent plaisir à prendre le temps pour eux. Donc, lire à haute voix ou lire déjà tout court, puisque la lecture, voilà, en gros, on la met un petit peu de côté. On essaie plus de se positionner, comme tu l'as dit, sur les écrans. En fait, c'est aujourd'hui prendre simplement 10 minutes, 15 minutes, oublier, prendre son temps pour soi, se dire voilà, j'existe, je suis là. Voilà, moi j'ai travaillé avec des enfants, comme je le disais tout à l'heure, en début de ma carrière, dans les écoles. Il m'est arrivé à un moment donné, j'ai emmené les enfants dans des parcs aux alentours de Paris. Oui. Et à un moment donné, quelque chose qui m'est resté gravé, jusqu'à présent, les enfants aussi d'ailleurs, je promenais les enfants dans le parc et à un moment donné je rencontre un monsieur d'un certain âge et on était posés à prendre notre goûter. Il est venu vers nous et il a commencé à nous raconter une histoire, des contes. Les enfants étaient mais vraiment subjugués devant l'histoire, devant le conteur. On ne voyait plus sa présence, on voyait tout un monde changer autour de nous. On était vraiment, vraiment ravis et heureux ce jour-là. Donc, je m'en rappelle encore, j'ai encore souvenir de cela. Les enfants en ont parlé pendant longtemps, en ont parlé à leurs parents et je trouve ça vraiment merveilleux. Ils ont besoin de cela. C'est un besoin vital. Ils ont besoin de reconstruire les liens avec leurs parents. J'insiste sur ça parce que je ne dis pas que, voilà, je n'essaie pas de culpabiliser en fait les familles, mais je trouve que c'est la première des choses que, au moins une fois par semaine, je veux dire un week-end, le vendredi soir, créer une petite ambiance, faire voilà, un petit espace autour de soi et se poser une petite demi-heure et faire un débat peut-être après, laisser les enfants parler, laisser les enfants divulguer aussi, dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie d'imaginer parce qu'ils ont besoin de parler de leur peur et ils ont besoin d'avoir aussi confiance en eux. Et c'est par l'échange qu'ils pourront en fait parler de tout ce qui leur fait peur et de tout ce qu'ils ont envie aussi de faire, comme tu viens de dire, hein, les laisser rêver. Voilà. Je te remercie aussi. Non. Voilà, je vais peut-être continuer, faire une petite lecture d'une poésie. Alors j'essaie de chercher hein, puisque je fais ça spontanément. Le temps que tu cherches après ta lecture à t'écouter, je viens de penser à un texte qui peut être pas mal et qui redonne les lettres de noblesse au livre. Voilà, j'en dis pas plus après ta lecture. Très bien. Alors, je pense que je vais faire une lecture d'un de nos amis qui m'a présenté un de ses poèmes hier et dont je remercie. Je vais faire la lecture de sa poésie, Beauté. D'accord. C'est une poésie de Abdelrani Rahmani. D'accord. De grâce, le généreux Seigneur t'a immortalisé. Un de ses meilleurs attributifs étant Joseph, dans sa célèbre Genèse, t'a symbolisé, et notre beau prophète en a hérité autant. Mythique, Inno incruste ton nom dans l'océan, berçant Isis, exactitude éternelle, pensive, culture, vertu, sagesse fidèle, endurant. Odéon agit ses ailes musicales, la aide ravive. De ta volupté, chantre rossignol, sirote allègrement le nectar doux et d'énique. Son chapelet égrène tes lettres à tue-tête, éveillant l'allure de l'âme, joyau, féerique. Sur terre, un brin rayonnant pénètre le cœur. Séduction, élégance étant de créature féminine.
se transforme en fine captivante effrayeur. Et l'homme faillible s'enivre de ses signes. Ô beauté, que celui qui n'a point de foi ait le remords de croire en toi. Beauté, guide mon âme au séjour ultime, témoigne de mon acte sincère sublime. Voilà, une poésie d'Abdelrani Rahmani. Je te laisse, mon ami, nous faire encore voyager avec tes mots. Merci pour cette lecture. Tu as tant et tant de choses à nous raconter. Bravo à Abdelrani, que l'on salue, même si de loin, c'était vraiment un très beau texte qui démarre par la beauté de Joseph et qui parle de beauté. C'est très joli, très sympa ce texte. Ce texte de Victor Hugo, il n'y a pas de contexte, mais peut-être juste dire un mot. Je crois qu'il a souvenir d'avoir vu une bibliothèque brûlée, et vous connaissez certainement ce... Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Humpa Teba, qui, justement, on l'a sur la couverture de ce livre-là, cette fameuse phrase qui est connue à travers le monde et qui a dit pour l'Afrique, « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Et vous allez comprendre. Exactement. Tu viens d'incendier la bibliothèque ? Oui. J'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï. Crime commis par toi contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien. C'est ton trésor, c'est ta dot, c'est ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris, fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Les générations ténébreuses encore qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi ? Dans ce vénérable amas de vérité, dans ces chefs-d'œuvre plein de foudre et de clarté, dans ce tombeau des temps devenus répertoire, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé, le son qu'épelle l'avenir, dans ce qui commença pour ne jamais finir, dans les poètes, quoi, dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Échilles terribles, des Homères, des Job, debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre est là, sur la hauteur. Il luit, parce qu'il brille et qu'il illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle, plus d'esclaves. Et plus de paria, ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria, lis ses prophètes, Dante ou Shakespeare, ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous, tu deviens en lisant grave, pensif et doux. Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître. Il t'enseigne ainsi que l'aube éclaire un cloître, à mesure qu'il plonge en ton cœur, leur chaud rayon t'apaise et te fait plus vivant. Ton âme, interrogée, est prête à leur répondre. Tu te connais bon, puis meilleur, tu sens fondre, comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première. Puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est à toi, comprends donc, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre. Il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle. Car toute conscience est un nœud gordien. Il est ton médecin. Il est ton guide, il est ton gardien. Ta haine, il la guérit. Ta démence, il te l'ôte.
Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute, le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, c'est le droit, c'est la vérité, c'est la vertu, c'est le devoir, c'est le progrès, c'est la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi ? Je ne sais pas lire. Ah. Voilà un petit peu la chaîne qui reste soudée à travers la connaissance hein, des anciens et qui revit aujourd'hui et qui vivra toujours d'ailleurs. Merci Ossine de nous avoir fait partager cette lecture et tous ces conseils. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Donc tu peux continuer à nous dire peut-être quelque chose Bien, puisqu'on parlait de lecture à voix haute, j'ai eu sur mon parcours d'intérêt pour cette matière, comme on peut tous en avoir, des personnes qui m'ont inspiré. Et c'est souvent le fruit de rencontres, comme on peut rencontrer quelqu'un qui nous raconte une histoire ou qui raconte une histoire à nos enfants dans un parc. Mmh. Moi, c'était un peu par hasard. Il y a quelques années, je rentre dans la médiathèque où j'habite, là, à Corbie. Et puis, par hasard, souvent, quelquefois, on fait confiance à notre intuition et je tombe sur ce petit livre. Frédéric Bruyat, et c'est le titre qui m'a interpellé. C'est « Le métier de lire à voix haute ». Alors je me dis, tiens, c'est un métier. Ce métier existe. Je n'ai jamais vu ça dans les référentiels métiers. Ça, c'est un métier que je voudrais bien faire. Moi qui venais de fêter... mais 55 ans, je me disais, il n'est jamais trop tard pour changer de métier. Et alors, là, on attend notre ami Drissi qui normalement devra revenir. Il y a un petit bug technique. Donc oui, effectivement, il nous parle un petit peu de tous ces bienfaits de la lecture et ce qui est important aussi, c'est de nous faire découvrir comme ça des auteurs qui nous donnent cette envie de lire à travers les livres et leurs titres. Donc c'est vrai que c'est une très bonne idée et voilà, donc je vous invite à aller retrouver ces livres pour découvrir un petit peu tous ces grands penseurs qui nous offre en fait la possibilité de d'aimer en fait la lecture, hein, la lecture déjà en général, et puis aussi la lecture à haute voix. Et c'est bien fait, donc voilà aussi. Donc oui, il y a eu un petit bug que tu peux. Oui, Skype parfois nous. Oui, oui. Skype. Alors je disais bien que c'était sympa de nous présenter comme ça des auteurs et des titres de livres pour nous faire découvrir. Parce que parler, c'est vrai, les bienfaits de la lecture, c'est ce qu'on vient de faire. Je pense qu'on aura toujours l'occasion et on le refera à chaque fois parce que je trouve que c'est important. Hein, pour tous, mais aussi de faire découvrir comme ça des auteurs qui nous justement transmettent aussi des savoirs peut-être que l'on ne connaît pas. Donc je te laisse continuer Ossine. Merci, je te remercie Lily. Oui, en effet, en fait, ce sont des auteurs, en tout cas sur cette matière de la lecture à voix haute, moi personnellement qui m'ont beaucoup inspiré et je vous conseille vraiment à aller les découvrir. Donc il y a d'abord Frédéric Bruyat, donc, qui continue à pratiquer la lecture à voix haute et qui en a fait donc son métier. Je ne connais pas trop son histoire, mais j'avais lu ce petit livre et je me souviens de ce texte où elle dit sur la lecture à voix haute. Parce qu'en fait, donc elle avait un métier comme vous et moi, et puis elle s'intéressait un peu comme nous à la lecture à voix haute, puis après, elle a tout plaqué pour se consacrer à 100% à cette activité. Elle fait ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est un peu en même temps expérimentatrice de la matière. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est-à-dire ne pas forcément refaire ce qui a déjà été fait, mais d'aller au fond. Qu'est-ce qui fait en fait que la lecture à voix haute, ça plaît ? Évidemment, quand je vais voir les anciens, Umpateba, etc. Mais je veux le vivre comme expérience sur le terrain, auprès des ateliers que je peux animer, auprès d'adultes ou auprès des enfants. Mais
aussi en mêlant la lecture avec d'autres formes artistiques, avec la peinture, avec la musique. Et Frédérique Brouillat, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a été exploitée un peu comme un arbre avec de multiples branches, ou avec la lecture à voix haute, elle est allée dans plein de directions. Et ça, c'est génial. Et donc, elle a mis un peu cette matière dans. Elle a écrit deux livres. Donc, ce livre-là, qui date déjà d'il y a quelques temps, mais qui est extra pour ceux qui veulent pratiquer la lecture à voix haute, et puis comme toi, et qu'on voudrait aussi promouvoir, c'est vachement intéressant. Et en plus, elle y met toutes ses références, parce qu'elle y a consacré une bonne partie de sa vie. Aujourd'hui, c'est sa vie, et depuis une vingtaine d'années maintenant. Bon, ben, Moi, ça aussi fait une juste quelques Drissi, années. si je me mets à changer de métier, je pense que la mairie de Paris viendra Bien, pourquoi secouer pas? les oreilles en disant bon. Je pense que c'est quelque chose à inventer, parce que quelquefois, quand on entre dans les couloirs de nos administrations, ou lorsque l'on attend dans une... Vous savez, j'ai plein d'idées en la matière. Je suis intarissable dans les maisons, quand vous allez par exemple chez le médecin. Déjà, en général, si vous allez voir le médecin, vous n'êtes pas très en forme, et vous êtes dans la salle d'attente. Qu'est-ce que l'on trouve sur la table? L'on trouve souvent des paquets de revues jaunies qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui ont été lues et relues. Mais il y a d'autres choses à faire. Mettez-nous des ouvrages plus récents, ou mettez-nous des lecteurs à voix haute qui, pendant ce temps où nous attendons, surtout qu'en général, nous arrivons dans un état justement d'une petite souffrance, d'une grosse grippe, ou parfois quelque chose, des choses beaucoup plus compliquées. Je suis en plus dans les effets que l'on n'a pas évoqués. Beaucoup intéressé par les aspects et les recherches qu'il y a actuellement sur la bibliothérapie. Nous avons tous des livres qui nous font du bien, des livres de chevet, des livres qu'on aime revenir parce qu'on sait qu'ils nous font du bien, et c'est vrai. Il y a des effets thérapeutiques, comme la pleine conscience a des effets positifs dans le traitement de certaines pathologies. Je suis convaincu que la lecture, il faut qu'on exploite un peu plus ça. Il n'y a pas suffisamment d'études sur le sujet, sur l'impact de la lecture sur différentes pathologies. Il y a quelques thèses, il y a deux thèses de médecins en France sur le sujet, et il y a une association francophone de bibliothérapie à laquelle je suis adhérent en tant qu'association, parce que je suis intéressé par les aspects de recherche sur le sujet, et je trouve qu'en compilant ces informations de recherche, ça nous donne des preuves à la fois avec les neurosciences, etc., de l'intérêt de la lecture à voix haute. Voilà ce que dit Frédérique Brouillat. Se laisser dans la lecture d'un texte équivaut à partir à l'aventure. Et c'est ce qu'on vient de faire depuis le début de notre soirée. Celle d'un sens oublié qui conjuguerait nos cinq sens et en constituerait un autre, celui de la formulation. De la formulation du verbe, du mot. En réalité, à la première lecture, quand on lit à voix haute, elle dit: je ne comprends rien. Et c'est vrai. Quand on lit une première fois à voix haute comme ça dépend des textes, mais c'est vrai qu'il faut d'abord sentir les sons se former dans la bouche, dans l'organe respiratoire, dans l'organe phonatoire, pour se les approprier. Et elle dit par exemple quelque chose d'extraordinaire, et j'adore ça, c'est dans le début du livre, avant de finir sans le texte, elle dit: dans l'histoire de l'écriture, quand on veut faire par exemple des ateliers ou parler de la lecture à voix haute, il faut dire que les mots que l'on prononce sont d'abord des mots écrits à l'origine. Mais pourtant, la lecture à voix haute est première. Elle est arrivée avant l'écriture. C'est-à-dire que la transmission orale des Africains, eh bien dans l'histoire de l'homme, on transmettait tout à l'oral. L'écriture est venue après pour quelque chose de pratique, parce qu'il fallait faire les comptes des récoltes pour les Égyptiens et pour pouvoir commercer, etc. On avait besoin d'écrire, de mettre des traces pour se souvenir des quantités de grains qui avaient été vendus, etc. Et c'est comme ça que progressivement l'écriture, avec les premières tablettes sumériennes, sont arrivées. Et en fait, les premières lettres qui viennent de cette région-là, du Sinaï, on sait que tout ça, là, l'Afrique et compagnie, c'est le berceau de l'humanité. Autrefois, les mots, les premiers mots qui étaient écrits, les mots étaient enchaînés. C'est-à-dire que, en fait, c'était très difficile de lire à voix haute parce que tous les mots, un peu comme un collier, étaient enchaînés les uns aux autres. Donc c'était un enchaînement de lettres. Et petit à petit, après la lettre majuscule est arrivée, on a mis une lettre dans une couleur différente des autres mots pour reconnaître que l'on était au début. Et la première lettre, sachez que la première lettre A, ça vient du mot Alep.
qui voulait dire, dans cette langue ancienne, qui voulait dire le taureau. Le taureau avec ses cornes. C'est-à-dire que quand vous voyez un taureau avec des cornes et que vous le retournez, ça vous fait la lettre A. Tout ça pour dire que l'on entre dans le langage par les lettres et que la première lettre, on y entre avec la force du taureau dans la lecture et dans l'oralité. Et ensuite, vous avez la lettre B. La lettre B qui vient du mot, d'ailleurs on le retrouve aussi en arabe, bait, mais aussi dans d'autres langues sémitiques anciennes, bait, c'est la maison. Après la force du taureau, vous avez ensuite la maison qui vient, la deuxième lettre, qui vient apaiser cette force du taureau. N'est-ce pas que la maison est aussi le lieu où l'on se ressource, où l'on se repose. Et elle trouve, c'est vrai, intéressant de parler aux enfants qui veulent apprendre la lecture à voix haute, de savoir qu'à chaque fois qu'ils prononcent un mot, ils entrent dans la langue par les lettres en leur racontant ces histoires. Je poursuis ma lecture. En réalité, à la première lecture d'un texte, je ne comprends rien. Il y a trop de mots, trop de choses à voir, comme si l'évidence de la chose écrite devenait dans ce travail de reconstruction terriblement complexe. Je sens que la lenteur, une extrême lenteur, est indispensable. Il me faut fabriquer des mots en les prononçant les uns après les autres afin de recomposer l'image, puis prendre le temps de la regarder et de prononcer à nouveau les mots pour mieux voir les détails. Lire à voix haute pour prendre la mesure du temps, ou plutôt la mesure de l'écriture. Ce sixième sens qu'il faut atteindre quand on lit à voix haute serait une incorporation en fait de la matière littéraire que sont les mots et la mise à distance qu'apporte son écoute. Parce que quand on lit à voix haute, on fait une double action. On lit, on s'écoute et on partage et d'autres écoutent. Et ça mobilise en fait des facultés aussi cérébrales qui sont différentes de la lecture silencieuse. Et ça crée une mise à distance. C'est pour ça que j'invite ceux qui veulent, qui ont la passion de la lecture, de s'enregistrer et de s'écouter, pas uniquement pour s'écouter, de trouver sa voix et de se dire, eh bien tiens, là quand je m'écoute avec cette prise à distance, je sens que cette parole me touche, même si je reconnais que c'est ma voix. Et donc si ça me touche moi, ça peut résonner aussi dans l'âme d'un autre qui écoute. Ce travail d'appropriation développe paradoxalement une forme d'intuition, et on a ça dans la lecture. C'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez préparer votre texte, mais il y a une forme d'intuition dans cette spontanéité que vous avez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, comme au cinéma ou quand vous faites une lecture en public, c'est maintenant et tout de suite. Et donc, il y a une forme d'intuition qui se met en œuvre. Donc, vous développez aussi cette, même si vous êtes sur la ligne, vous développez cette intuition et finalement cette faculté d'improviser lorsque vous vous trompez sur une ligne ou lorsque vous vous trompez sur un mot. Ce qui permet de se déplacer à l'intérieur de la page à la manière de l'écrivain qui tire les ficelles et joue de son omnipotence. Parce que quand le lecteur, un bon lecteur pour moi, c'est un lecteur qui au bout de quelques lignes, on oublie la personne qui est en train de lire et on est complètement emporté par l'histoire et juste par les mots. C'est ça qui fait aussi la grande différence avec l'acteur. Et elle dit, je me souviens d'un conte chinois dont Marguerite Yourcenar avait magistralement écrit la nouvelle. L'histoire, c'est celle du vieux peintre Wang Fo et de son disciple Ling, qui, arrêtés par les soldats de l'empereur, doivent répondre de leurs actes. Avoir peint un monde idéalisé qui rend le monde réel terriblement laid à celui qui n'a pas les yeux pour le voir. Avant l'exécution de la sentence par l'empereur, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux. Voilà ce qu'a dit l'empereur. Puisque tes yeux, Wang Fo, sont les deux portes magiques qui t'ouvrent ton royaume. Et puisque tes mains sont les deux routes aux 10 embranchements qui te mènent au cœur de ton empire, j'ai décidé qu'on te couperait les mains. Quelle sentence, hein ? Ça ne rigole pas chez l'empereur.
L'empereur demande au peintre de terminer un tableau de jeunesse qu'il conserve depuis son enfance. Grossière erreur d'appréciation. Le peintre et son disciple parviennent à s'échapper sur cette mer de jade bleue que Wang Fu venait d'inventer. Cette nouvelle, nous dit Frédéric Bruyat, répond au fantasme que nous avons de la lecture de certains textes, c'est-à-dire devenir un acteur muet, être à la fois l'œil et l'oreille de la scène et y être réellement. Donc ça, c'est un autre conseil que je donne à chaque fois que vous allez lire l'extrait d'un texte, c'est se mettre dans la situation, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement. Il faut vraiment être le conteur. Il se met dans la scène et il apporte tous les éléments pour recréer cet univers, comme si vous y étiez. Exactement. Et c'est ça la force de l'imaginaire. Et elle dit donc, devenir acteur muet, être l'œil et l'oreille de la scène et y être. Quand je précise acteur muet, je pense à une qualité de présence qui se doublerait d'absence. Lire à voix haute, le livre entre les mains, le haut du corps légèrement penché sur le livre, le regard posé au-dessus de la page, se mirant comme il le ferait au bord de l'eau. J'ai besoin de sentir que la surface des mots tremble un peu. Une invitation à plonger au cœur d'un monde en soi, vaste et puissant, alors même qu'il se tient là, au creux des mains. Vertige de se sentir au-dessus d'un objet minuscule en regard de ce qu'il peut contenir d'infiniment grand. Et j'arrêterai là, je suis intarissable sur la lecture à voix haute, vous le savez, et je trouve ce texte extra, je vous le conseille. Allez, je fais ma petite... Le métier de lire à voix haute hein, de Frédéric Bruyat. Bruyat, c'est B-R-U-Y-A-S. Exactement. Un deuxième pour la route. Je ne vais pas vous le dire. Grégoire et le vieux libraire. Voilà, c'est juste pour vous dire que Marc Roger, c'est la deuxième personne qui m'a inspiré sur ce chemin. Et je tenais à vous parler pour moi. Je ne les connais pas personnellement. J'ai pris contact avec l'une de ces deux personnes, avec Marc Roger, avec qui peut-être on aura un projet bientôt à venir. Marc Roger, c'est quelqu'un qui lit aussi, pareil, comme Frédéric Bruyat, depuis une quarantaine d'années. Et il a consacré aussi sa vie à ça. Tu le connais ? Ça fait plaisir de rencontrer en fait toujours des personnes pareilles, hein, qui réfléchissent de la même manière et qui nous donnent cette envie de découvrir aussi de nouveautés, comme tu le disais, hein, aussi à part apprendre à lire et avoir donné envie de lire, mais aussi de découvrir aussi d'autres manières de s'approprier et puis de se réconcilier aussi avec le monde, avec l'être humain, avec soi-même. En tous les cas, merci beaucoup Houssine Drissi de toute cette analyse, de toutes ces présentations aussi d'auteurs. Je pense qu'on aura d'autres occasions de te voir, hein, de te rencontrer, de refaire aussi d'autres soirées comme celle-ci. Ben, celle-ci a été très intense. En tout cas, on te remercie énormément. Je te laisse conclure cette soirée avec tes mots. Écoute, moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer, donc ce fut vraiment agréable. Et puis cet échange qu'on a eu sur le fond et l'intérêt de promouvoir la lecture à voix haute, je pense que ça nous éclaire tous les uns les autres. On a eu aussi des échanges de bons mots. On a eu aussi, en effet, des moments d'émotion, des moments intenses aussi en lecture. Quelques conseils aussi prodigués ici et là. Juste des précisions pour dire ce livre-là de Marc Roger. Marc Roger, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit un roman. C'est un roman, Grégoire et le vieux libraire. Mais c'est quelque part, il donne tous ses conseils d'une
d'une vie entière, pratiquement, de lecture à voix haute, puisqu'il s'est cherché jusqu'à l'âge de 20 ans. Il a commencé à faire de la lecture dans les maisons de retraite. Il tombait par hasard sur ce type d'activité. Ensuite, il a développé ça, puis il a organisé des projets, des voyages. Il a fait le tour de France. Je trouve, voilà, il a fait le tour de France il y a déjà pas mal d'années, et puis il a écrit un livre dessus où il prenait son bâton de pèlerin avec dans sa sacoche ses bouquins et il s'arrêtait dans tous les petits clochers de France et de Navarre pour lire à voix haute des textes juste pour le plaisir avec sa femme qui avait organisé tout le parcours de ville en ville. Elle était restée à Paris et il raconte son histoire, qu'il a usé une cinquantaine de paires de chaussures, qu'il a eu des nuits terribles parce que parfois, et là, il était pris de court, il dormait sous la pluie et il a lu pendant les 3 mois de son voyage. Et du coup, c'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui dit plein de bonnes choses sur la lecture à voix haute et qui est vraiment passionné par la chose. Moi, j'invite les gens à aller voir ce qu'il raconte dans ce bouquin parce qu'il donne plein de conseils, en fait, sous la forme d'un roman facile à lire. Il donne des conseils pour améliorer sa manière de lire à voix haute. Et pour terminer, pour ceux qui voudraient, par exemple, animer dans leur quartier, dans leur ville, dans leur association, des ateliers pour promouvoir la lecture à voix haute. Il y a un petit bouquin qui est pas mal qui s'appelle L'art de la lecture à voix haute de Blandine Clémaux et qui est très pratique en fait. C'est un petit bouquin, mais dans le sens on peut très vite, simplement à partir de ce bouquin, organiser des ateliers très simples qui permettent de partager des lectures à voix haute et puis d'avoir quelques exercices, un petit programme ayant en plus un CD-ROM derrière, où en fait elle fait des lectures et elle donne des conseils aussi sur ce CD-ROM qui permet d'animer ce type de... Voilà, donc je suis intarissable là-dessus, moi j'ai passé une superbe soirée. Il n'y aura pas de mot de fin parce que la lecture à voix haute, ça n'a pas de fin, ça continue. Et je pense que cet échange très riche, enrichissant et qui nous a beaucoup émus ce soir, j'espère que nos auditeurs aussi ont pu... apprécier cette spontanéité, cette richesse. Et puis je remercie aussi Giancarlo, qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir, et qui était à la technique derrière, et qui, pap, 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 qui a pu faire en sorte que tout a bien fonctionné. C'est important. Merci Lily, en tout cas, de m'avoir invité. Ce fut une géniale idée, spontanée, sans trop de préparation, mais qui Effectivement. fut hautement agréable. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Donc, merci à toi, merci à Giancarlo, hein, je le répète et réitère encore une fois, pour sa partie technique et qui nous donne toujours aussi l'occasion de nous réunir. Donc, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, mes chers amis, si l'envie, si ça vous intéresse, si ça vous donne envie d'essayer, hein, de faire des petites lectures à haute voix, de raconter des petites histoires, de lire des petits contes, comme vient de le faire Ossine Drissi aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Venez avec nous, comme vient de le faire Ossine Drissi, en nous présentant en fait sa lecture, ses conseils, les présentations aussi d'autres auteurs qui eux aussi ont d'autres formes à nous présenter pour aimer cette approche de l'humain, je vais dire plutôt ça. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc Giancarlo. J'aimerais bien Eh avoir bien, son avis bonsoir là-dessus mes un peu. amis et merci d'avoir suivi ce direct en compagnie de Houssine Darissi et Lydie que vous connaissez très bien, qui nous fait vivre des moments aussi intenses à travers la lecture, l'art de la lecture à voix haute. Aujourd'hui, ce soir, donc, Houssine nous a enrichi, nous a donné tout un éventail du pourquoi dire à voix haute et tous ses bienfaits, donc tous ces apports de qualité qu'elle puisse apporter. Juste un petit mot en italien pour expliquer aussi le sujet à nos amis. On peut aussi leur souhaiter une chaleureuse soirée en italien. Je pense que aussi tu te rappelles aussi, Oh carissimi. là là, je l'ai écrit et je l'ai oublié. Alors, comment est-ce qu'on dit? Carissimi amici. Carissimi amici, Buonasera. buonasera.
Voilà. Allora, carissimi amici, è stata una serata molto intensa in quanto al sostegno di questo amico Hussein, che anche lui si trova in Francia, e ci ha parlato durante tutta questa serata del benessere di leggere ad alta voce, di quello che procura la lettura ad alta voce. E sono veramente molto le beneficenze che si riceve a leggere ad alta voce. È importante di sapere ritrovare questo spazio che in questi tempi si sono persi attraverso le diverse strumenti che abbiamo, come la tecnologia, ci ha un po' dilasciato questo campo del benessere, di leggere, ma specialmente ad alta voce. Ecco di cosa si è trattata questa sera. Abbiamo spiegato del perché leggere ad alta voce. Speriamo che lo possiamo anche fare nel linguaggio italiano, di procurarvi una più ampia spiegazione di tutto questo beneficio della lettura ad alta voce. Io da parte mia vi saluto, vi do veramente la buona serata, che ci ritroveremo ben presto per delle serate in espressione italiana. E lascio la parola adesso a Lelia e a Ussini, che vi mandano anche da parte loro il loro caloroso saluti. Merci Giancarlo. Donc, il nous reste plus qu'à nous dire bonne soirée à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres, hein, pour de nouveaux sujets. Et merci encore une fois Houssine Drissi. Merci à toi Giancarlo et je vous dis bonne soirée à Je tous. remercie en tout cas Oussine d'avoir été avec nous. On va conclure cette soirée à travers une vidéo-poésie qui parle de la délicatesse d'une femme disons, faisant cette différence entre une fleur, une femme. Et c'était donc pour la journée internationale contre la violence sur les femmes que ce récit a été traduit à partir d'une poésie anglaise. Elle a été donc traduite en italien et en français. On va écouter donc la version française qui donc par les mots soigne les mots, comme on dit, et les mots à MAUX. Donc les mots qu'on puisse aussi voir autour de nous. Et des fois, quelques mots, puis qu'est-ce qu'on pourrait dire à travers ça, Oussine, je peux peut-être te donner la parole. Peut-on soigner les mots avec les mots? Ben oui, bien sûr, les mots nous soignent. Regarde les thérapeutes, les psychothérapeutes, la psychanalyse, etc. Enfin, beaucoup de gens soignent uniquement comment? C'est-à-dire en vous faisant parler. Avec C'est quel en mot? faisant parler, vous extériorisez, et du coup, avec les mots, vous soignez. Et moi, je suis convaincu de ça, des vertus thérapeutiques, des mots qui soignent. Oui. Effectivement, la rencontre en fait avec les gens, le fait de ne pas avoir peur aussi de rencontrer les gens et de discuter avec eux. On peut très bien discuter avec les commerçants qui sont autour de nous, parler un petit peu du quotidien, du voisin, parler avec lui, dire bonjour, prendre le temps de discuter, d'échanger, trouver les mots. Ça crée des liens et ça crée, comme on vient de l'expliquer tout au long de cette soirée, en fait, c'est par les mots en fait qu'on essaie de faire revivre un petit peu l'humanité, faire revivre un petit peu les cœurs qui sont un petit peu meurtris par tout ce qui est tout ce qui nous détruit en fait. Ne vous approchez pas, ne faites pas ceci. Il y a trop de violence, il y a trop de choses qui se passent et qu'on le regarde à travers les écrans et qui nous font peur et qu'on essaie de s'éloigner et que de s'isoler pour prendre un petit temps, pour trouver un petit peu de silence par rapport à tout ce qui se passe. Ok, mais s'isoler pour rester seul et pour déprimer et se renfermer sur soi-même, non. Donc les mots MAUX ne peuvent se soigner que par les mots. Un petit mot gentil, un petit sourire
peut égayer toute une journée, et ça, j'en suis convaincue. Merci Leïla et une bonne soirée à toi et à toi aussi, Houssine. On espère te retrouver une prochaine fois pour nous faire partager encore des super moments comme tu l'as fait ce soir. Avec plaisir. Merci en tout cas Une pour bonne cette soirée à vous tous. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Une femme, une fleur. Tu la regardes avec un plaisir sincère. Ses yeux étincellent, son esprit est plein de vie. Une femme, une fleur. Tu la frôles avec délicatesse, sans violence ni force, et avec tendresse. Une femme, une fleur. Tu lui murmures délicatement de tendres pensées, respectant sa véritable essence, son être. Une femme, une fleur. Tu l'écoutes avec grande attention. Ses yeux te diront mille mots. Une femme, une fleur. Tu savoures avec l'amour que tu as en toi. Sa manière d'être naturelle, sa vitalité, chaque fois que tu aimes. Une femme, une fleur. Une fleur.